Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Game Cult, l'émission au sommaire cette semaine. La rédaction vous propose ses toutes premières impressions sur Sonic Generations. Le hérisson le plus rapide du monde fera son retour cette année dans un épisode anniversaire. Faut-il donc croire dans le grand comeback de la licence culte de Sega ? Premiers éléments de réponse sur le plateau. Également au programme toute l'actu des jeux vidéo, mais aussi notre double preview de la semaine. On parlera d'abord de Rage, le jeu tir de Bethesda qui devrait faire parler de lui lors de sa sortie cette année. Et l'on évoquera ensuite le cas de Skyrim, un RPG à suivre puisque c'est ni plus ni moins que le retour de la franchise The Elder Scrolls. Et pour conclure cette émission, la minute du rédac chef, votre rendez-vous pour répondre à toutes vos questions sur les prochaines évolutions de Game Cult. Décryptage, info, coup de cœur, coup de gueule, le tout animé par l'inflanquable docteur Chocapic. Game Cult, l'émission, c'est parti. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Game Cult. Alors au sommaire cette semaine, on va voir le nouvel Elder Scroll, on va voir Rage Update Software et on va avoir aussi Sonic qui fait un millième comeback. Et c'est donc Boulab qui va nous le présenter. C'est juste après la vidéo. Comme je l'ai déjà précisé, Sonic n'en est pas exactement à son premier comeback. Oui. Est-ce que tu peux rapidement nous résumer, c'est quoi le cahier des charges de Sega cette fois-ci ? Alors, le cahier des charges de Sega, c'est 20e anniversaire de Sonic cette année, donc on va faire un épisode un peu best-of. Alors, certains pensent que Sonic 4, c'était déjà un peu ça, parce que ça ressemblait... Sonic 4, c'était pas le best-of de grand-chose. C'était pas le best-of de grand-chose, mais il y avait le côté, on reprend un peu tous les niveaux bien connus. Là, pour le coup, ils vont reprendre tous les niveaux de tous les épisodes canoniques, on va dire, de la série. Donc, tout ce qui est Sonic Spinball, Flick Island, tout ça. Les loups-garous, les voilà. épées... Alors, les loups-garous, je sais pas, parce que... C'est... Espérons que les loups-garous ne font pas partie. J'espère que les loups-garous seront pas là, mais ça part vraiment sur côté plateforme traditionnelle, en sachant que le gimmick cette fois, c'est que tu pourras jouer deux Sonic différents. Donc tu pourras jouer le Sonic actuel qui est un petit peu méchant avec des yeux verts, un look où il attaque, il enfonce. Et là, comme tu peux le voir, il se fait rattraper par le Sonic de l'époque Mega Drive qui était plus mignon. Qui est souriant, qui sniffe de la colle et qui pète des arcs-en-ciel. Exactement, lui qui était encore sous LSD à l'époque. Et, voilà, tu auras le choix pour chaque niveau de le jouer avec le Sonic classique ou le Sonic moderne. Et là, bien sûr, la question c'est qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change ? Bah, tu auras Sonic classique ou Sonic moderne. Non, tu veux, t'en veux plus, d'accord. Sonic classique, il aura des niveaux seulement, enfin avec un gameplay 2D seulement, même si la réalisation est en 3D, il y a une grosse profondeur. 2,5D. Voilà, c'est la 2,5D. C'est très à la mode, il y a quelques petits effets de caméra à certains endroits, mais globalement, ça ressemble à ce qu'il y avait sur Mega Drive. Avec une version... Enfin, d'un point de vue caméra, en tout cas, voilà. Graphiquement, c'est quand même... Et même d'un point de vue caméra, alors c'est un petit détail, mais c'est vrai que même dans Sonic 4, il y a pas mal de gens qui l'avaient noté, la caméra est très proche, en fait, de Sonic, et bon, pour l'un, peut-être qu'ils modifieront un peu ça d'ici à la sortie du jeu, parce qu'il n'arrivera pas avant la fin de l'année, mais c'est vrai que c'est un peu gênant de ne pas avoir de visibilité sur un peu surtout plus... Surtout quand tu cours à 300 à l'heure. Voilà, notamment. Et pour le coup, quand tu vas opter pour la version moderne de Sonic, bah, ça sera plus dans l'esprit des derniers épisodes, c'est-à-dire un mélange de 2D et de 3D. Les niveaux commencent... On n'a pas dit dans l'esprit des derniers épisodes, c'est... on a déjà compris. Les derniers épisodes qui étaient... avec le Sonic récent. Le bon côté des derniers épisodes, on va dire, Sonic Colors était plutôt pas mal. Sonic Unleashed, si tu passais les phases loup-garou, c'était... Il y avait quand même des bons passages de plateforme 2D. Et pour le coup, ça sera ça, ça alternera entre des vues juste derrière Sonic, façon un peu comme les bonus stages de Sonic 2 dans le toboggan, sauf que là, ce sera pas vraiment un toboggan. Et des phases vues de côté, scrolling horizontal, où tu auras... Dans les deux cas, tu joues le même niveau ou c'est des niveaux
niveaux différents. Alors, c'est censé être le même niveau à chaque fois. Là, pour le coup, ils avaient des noms différents. Enfin, c'était acte 1, acte 2. Mais visiblement, ça sera le même niveau, mais réadapté. Ouais, c'est thématiquement voilà. Le même niveau. Celui auquel on a pu jouer, alors, aux surprises, c'était Green Hill Zone. Ouf. Personne ne s'en est remis. Et du coup, tu avais quasiment le même niveau, si ce n'est que. Tout était fait étant donné que dans la version moderne de Sonic, il a beaucoup plus de pouvoir, il a un gros boost avec une aura, il peut cibler les ennemis et leur foncer dessus, enfin il peut faire des glissades, il a plein de mouvements qui sont censés être là pour dynamiser le gameplay un petit peu. Forcément les niveaux sont étudiés en conséquence. Alors, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait un vrai intérêt au gameplay New School ou est-ce que tout le monde va jouer avec All Sonic? En fait, moi, le truc qui m'a un peu gêné, c'est le fait de passer, justement, ça, on ne sait pas encore comment ça va se faire au niveau de la progression dans le jeu, parce que là, on est arrivé directement sur le stage. Mais on ne sait pas si on pourra faire tous les niveaux old school d'un coup pour voir la fin du jeu, ou tous les niveaux modernes. T'as peur qu'on soit forcé à jouer en moderne? Quand t'alternes entre les deux, en fait, t'as l'impression qu'il manque des trucs quand tu joues à la version classique. Parce que finalement, tous les petits trucs, gadgets, genre le lock, tout ça, tu t'y habitues vachement bien quand t'es dans la version moderne. Et après, quand tu reprends en main la version classique, tu dis « Merde, pourquoi tu peux pas faire ça ?» Enfin, après, c'est un petit détail, si tu fais les choses dans l'ordre, ça se passe plutôt bien. Ceux qui ont connu même les épisodes Mega Drive, ils sauront que... Tu peux pas faire autant de trucs dans la version... Comme Puyo, qui a joué à Sonic 1 et Sonic 2. Exactement. Sonic 3 et tout, mais ouais. Il a fait tous les vrais. Moi, j'avais juste une question. Est-ce que le fait d'avoir deux Sonic, est-ce qu'il pourrait y avoir éventuellement un jeu en coopération avec les deux styles qui se marient? J'imagine qu'ils t'ont rien dit, mais... Voilà. On va dire, c'était un petit peu la présentation à la japonaise. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut rien vous dire pour le moment. Que ce soit pour le choix des stages, le choix des jeux... qui vont être intégrés, enfin les niveaux des jeux qui vont être intégrés dedans. Le seul truc qu'on sait, et encore c'est une information, c'est pas tellement une information, c'est qu'il y a un scénario dans cet épisode. Et alors pour justifier le fait qu'il y ait... Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle Oui, c'est vrai, ils n'en ont pas spécialement besoin, mais on va dire c'est une justification du fait qu'il y ait les deux Sonic. Dans le jeu, grosso modo, il y a un ennemi inconnu qui ne serait avec pas une moustache, rouge, tout de rouge vêtu. Il aime bien les robots, il paraît. Qui ne serait pas le docteur Robotnik. Ouais, on y croit. Semble-t-il. Et qui donc efface le temps et l'espace. Et donc, en fait, il efface C'est l'histoire sans fin. Toute l'histoire, exactement. Il efface toute l'histoire de Sonic. Donc, ils vont être obligés de se rebattre pour. Il y a une bonne partie de l'histoire de Sonic. On lui en veut pas s'il efface. Il y a quelques épisodes, s'il pouvait se priver d'y retourner. Mais bon, bref, tu vas revisiter toute l'histoire. Et on nous a fait une promesse, surtout qui est assez importante aux yeux des fans en général, c'est que tous les shitty friends, comme on les appelle dans le jargon, c'est-à-dire les personnages qui servent pas grand-chose, genre Big the Cat, Amy à la limite, moi je sais que je suis pas grand fan, ils seront là, mais tu joueras que avec Sonic. Donc ça sera vraiment... C'est l'anniversaire limité en fait. C'est l'anniversaire de Sonic. Ils seront là en caméo. Tu les verras peut-être dans les décors ou dans les cinématiques. Mais ça sera que Sonic au niveau du jeu. Donc tes impressions globales, ça se présente plutôt bien. Écoute, moi le côté old school, c'était vraiment sympa. Bon après c'est sûr. Je trouvais que graphiquement c'est graphiquement surtout sympa, ouais. Mais... Il ressemble à quelque chose. Parce que Sonic 4, moi je m'étais vraiment pas remis des espèces de crash de couleurs qu'il y avait dessus. C'était assez. C'était assez agressif. Assez pas génial, on va dire. Surtout quand tu voyais ce que les fans avaient réussi à faire avec les remakes un peu 3D là. Et pour le coup là non c'est vraiment très propre, ça rame un petit peu, mais bon c'est encore une version work in progress donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est relativement dynamique, en dehors de la caméra dont je parlais tout à l'heure, il n'y a pas grand chose à... Il n'y a pas de quoi se plaindre pour l'instant. Mais il faut voir, c'est comme d'habitude avec le cycle Sonic. Il faut attendre de voir ce qu'il y aura par la suite pour savoir ce que ça nous réservera. Mais il y a un petit détail aussi, c'est qu'il y aura une localisation entièrement en français. Parce qu'ils se sont dit, c'est l'anniversaire, on a du budget. Donc,
Il y a quoi de localisé ben voilà. Sonic, les cinématiques. Figure-toi que Sonic, oh, Sonic parlera, Sonic et ses amis parleront en français. Donc ah ouais, c'est intéressant à noter, okay, pour ceux qui sont les défenseurs de la localisation française. Bah écoute, merci vous la poire. On va maintenant accueillir Yukishiro, avouez qu'il vous manquait. Il va nous présenter l'actu, c'est juste après le jingle. Alors on accueille Yukishiro qui va nous parler d'actu. Alors vu que j'étais pas là la semaine dernière, je sais pas du tout de quoi tu vas nous parler. Ah bah écoute, mais je t'ai fait une petite liste pourtant, tu as tous les titres de ma rubrique. On va d'ailleurs commencer avec... Ouais, elle a du n'importe quoi, elle a une nouvelle console Nintendo. Et bah oui Shoka. et c'est pas la 3DS, c'est une nouvelle console Nintendo, une console de salon apparemment. Alors c'est pas une annonce officielle évidemment, je suis pas en train de vous révéler l'exclu de l'année. En tout cas c'est la rumeur qui est sortie chez plusieurs médias américains notamment et aussi français. En l'occurrence Net. Et donc apparemment beaucoup de rumeurs qui semblent crédibles sur une nouvelle console Nintendo qui va être présentée à l'E3. Alors cette console évidemment n'a pas encore de nom, on a déjà quelques petits noms de code qui circulent, notamment ce qu'on appelle le projet Café, hein. Ce sera sans doute pas le nom définitif de la console, sinon c'est bien ridicule. Et donc cette console... Enfin, je me rappelle qu'à l'époque où ils ont nommé la Wii, tout le monde était là... Non mais au début ça s'appelait la Révolution, tu vois, donc là on part du Café, donc je sais pas jusqu'où on va aller. En tout cas ce qui est sûr, ce qui se dit, c'est que cette console donc affichera de la haute définition. Il est fort possible que sa puissance soit rehaussée également au niveau des consoles actuelles HD, donc PS3, 360, certaines sources disent un peu plus puissantes, d'autres un peu moins, donc c'est pas encore très très clair, avec à la clé, et c'est ce qui fait aussi la signature de Nintendo, un nouveau contrôleur, donc il serait pas la Wiimote, donc là on parle bien d'une nouvelle console de salon Nintendo et non pas d'une version mise à jour de la Wii, c'est important, c'est-à-dire qu'effectivement, puissance rehaussée, nouveau contrôleur... C'est pas la Wii HD Dragal quoi. Non, ce n'est pas la Wii HD Dragal, qui était tout content. Il était content quelques heures et puis s'est rendu compte que c'était pas ça. Donc encore une fois, évidemment, on va se méfier. Hein. C'est pas la première fois qu'on annonce des consoles à 2 mois de l'E3 et qui sont finalement pas présentées. Toujours est-il qu'apparemment, ça a l'air suffisamment crédible. Nintendo, évidemment, n'a rien confirmé là-dessus. Au sujet de cette fameuse manette, qui serait aussi très originale, là-dessus, on n'a pas trop d'indices. Alors, on parle, pas de toutes les sources, mais certaines sources parlent d'une tablette. Donc, en fait, tu pourrais jouer avec un écran directement dans les mains, un peu comme avec un iPad. Et, en fait, tu vois... Il y a des gens qui jouent sur un iPad. Il y a des gens qui jouent... Dans cette salle, même. Les pauvres. On va pas les nommer, mais en tout cas, voilà, certaines personnes jouaient sur un iPad et ils sont très satisfaits de l'expérience. Et voilà, il se pourrait que Nintendo, en fait, sorte une console avec une tablette en guise de manette sur laquelle j'imagine on pourrait afficher des informations et peut-être même jouer en gyroscopie comme on fait maintenant avec l'iPad 2, comme tu le sais Shoka. Donc voilà, c'est pas mal de choses qui sont assez surprenantes malgré tout, je vais conclure là-dessus avant de donner la parole à Shoka. Avant de donner la parole à Boule à Poire qui intervient dans un contexte aussi où on sait que les ventes de Wii sont toujours très très fortes mais baissent malgré tout assez rapidement à rythme annuel, et surtout on a entendu quelques jours avant ces rumeurs une autre rumeur qui faisait état d'une baisse de prix de la Wii à $150 aux États-Unis, donc ce serait assez cohérent on va dire dans cet environnement là quoi. On enchaîne sur un bilan chiffré, Asayuki Shiro qui va être content, du tsunami au Japon. Oui, alors bon, bilan chiffré évidemment, je vais désamorcer directement la bombe, hein, on parle pas du bilan humain évidemment, c'est pas sur Gamecube qu'on en parlera. Parce que les humains tu t'en fous. C'est pas ça si tu veux, mais voilà. C'est pas le bilan humain du drame japonais, c'est le bilan on va dire du côté jeu vidéo, donc de l'industrie, on en a déjà parlé. Là il y a Enterbrain, donc la société japonaise qui compile notamment tous les chiffres du marché, qui a diffusé un petit peu le bilan, en tout cas à ce stade de la catastrophe sur le marché du jeu vidéo, et a chiffré en fait un manque à gagner de 60 millions d'euros sur le mois de mars. En fait un manque à gagner qui est notamment généré par un ralentissement de la consommation et le report de plusieurs jeux. Enterbrain affirme que 31 jeux ont été retardés, parmi eux notamment le Yakuza of the End qui met en fait en scène tout le setup de Yakuza mais avec des zombies dans une ville un petit peu dévastée. Donc il y a aussi pas mal de choses, on a parlé de Final Fantasy qui était mis en pause quelques temps, enfin beaucoup de choses comme ça qui ont un petit peu ralenti l'économie japonaise du jeu vidéo. Donc voilà, c'est un premier indicateur. On imagine que les prochains mois seront aussi un peu plus difficiles. Enterbrain indique également que la demi-méforme, on va dire, de la 3DS au Japon, euphémisme, parce qu'effectivement les ventes ralentissent très vite, serait aussi dû à ce phénomène-là. Donc voilà. Ou alors line-up pourri.
Écoute, parce que c'est ça l'autre catastrophe. Je pense qu'il y a effectivement plusieurs catastrophes sur 3DS. Il y a le pourri, il y a le prix très élevé. Mais en tout cas, voilà, il y a un vrai impact sur l'économie japonaise du jeu vidéo. Et on en aura d'autres. On aura d'autres impacts, je pense, dans les prochains mois. Et nous qui serons au Tokyo Game Show dans quelques mois, on aura, je pense, une idée très claire. Peut-être. Hein. Choc, nous. Une idée très claire aussi des conséquences à moyen terme. On enchaîne avec la date d'Ocarina of Time. Le 17 juin. De quelle année ? Voilà. 17 juin 2011. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on a appris que c'est pas Nintendo qui s'occupe lui-même du portage. C'est une société que moi je connais pas qui s'appelle Gretzo. Ouais. Et qui est notamment responsable de Puyo. Line Attack Heroes. C'est Kenji Ito qui est derrière. Voilà, donc, Kenji Ito, le grand. Le grand. Voilà. Ok. Tu vois, c'est rapide quand tu. On passe à Dead Rising 2 Off the Record. Voilà, donc Yakuza avec ses zombies retardés. Par contre, Capcom ne se gêne pas pour annoncer un nouveau Dead Rising avec une invasion zombie, donc qui s'appelle Off the Record. J'ai demandé tout à l'heure à Puyo, Dead Rising sans invasion de zombies, c'est tout. Ouais, finalement, ce serait un peu plus chiant avec sa tondeuse à gazon. Donc, toujours est-il que voilà, c'est un vrai jeu, c'est pas un DLC, donc c'est pas comme Case Zero notamment. Donc là, par contre, j'ai pas trop de détails. On a vu quelques screenshots. C'est prévu pour cette année sur Xbox 360 et PlayStation 3. Et ça reprendra quelques grands éléments de Dead Rising, donc notamment son héros Frank West, et tout le gameplay à base d'appareils photo, etc. Si Puyo a des détails, je l'invite à me reprendre. Comme on dit avec Boule à Poire, c'est la fusion en gros du gameplay du premier Dead Rising dans l'univers de Dead Rising 2. Ce qui est un peu étrange comme manière de procéder, mais bon, voilà, c'est le meilleur des deux mondes. Ne cache pas ton enthousiasme, ouais. Puyo. Voilà, le meilleur des deux mondes. Et pour terminer, la nouvelle de la news, semaine. Celle-là, je tenais à la garder. Tony Hawk et Guitar Hero ne sont pas morts. Voilà, donc je précise donc, entre parenthèses, Yukishiro a marqué non avec 7 O. C'est faux, je dément. Voilà, toujours est-il que voilà, on avait annoncé il y a quelques semaines que Activision a mis de côté Guitar Hero et Tony Hawk. Alors il semblerait. On va les amener de côté, ils les avaient amenés derrière la ferme avec le fusil et puis on sait comment ça se passe dans la nuque. Alors il semblerait qu'apparemment Activision ait simplement. Alors ça, c'est évidemment une grosse rumeur, il n'y a pas eu d'annonce de ce côté-là, mais c'est ce qui se dit, aurait simplement décidé de ralentir. C'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, on ne va pas tuer la licence, on va juste arrêter, on fait un tous les ans, parce que peut-être que le public il va se lasser, tu vois, alors que un tous les deux ans. Voilà, alors que un tous les deux ans, ils vont forcément se remettre à l'acheter. Donc voilà, Guitar Hero n'est pas mort, c'est juste une mise entre parenthèses. Ils vont juste chercher un petit concept pour nous refourguer. Ils appellent ça Guitar Hawk. Voilà, Guitar Hawk. Tu fais du skate sur une guitare. Guitar. Tony Hawk fait la voilà. On sait Tony Hawk qui fait la guitare. Et à la conférence 3, t'amènes Tony Hawk, tu le fais poser une guitare par terre et il monte dessus. Là, je suis sûr que t'en vends des milliards. Tu sais que tu tiens un concept, donc voilà. Donc Guitar Hawk sera peut-être annoncé à l'E3. En tout cas, toujours est-il que ces juteuses licences, visiblement, Activision ne sait pas dire au revoir, ou en tout cas adieu à ces belles licences. Il me semblait qu'ils avaient signé Tony Hawk jusqu'à 2012, donc faut éviter. Ouais, mais de si ça se vend plus, ça se vend plus. Bon, enfin, au bout d'un moment, faut arrêter. Tony Hawk, il touche encore ses chèques, donc faut bien faire quelque chose avec. Bah ouais, mais bon, il perd de l'argent sur ces jeux-là, quoi. Donc, toujours est-il que si vous étiez l'une des trois personnes en France qui pleurait Tony Hawk et Guitar Hero, sachez qu'il reste un espoir pour Activision décide de les ressortir du frigo. Ou du freezer. Merci Yukishiro. On va maintenant passer à notre preview de Rage que je vais vous présenter dans un instant, c'est juste après la vidéo. Call this place the wasteland. Doesn't take a genius to understand why. Justice, the way it once worked, is a thing of the past. But I believe someone can set things right again. Maybe you're the man for the job. The game is easy. Kill or be killed. Alors, Yukishiro, vu que c'est moi qui ai eu l'illustre honneur de voir Rage la semaine dernière. C'est moi qui vais avoir l'illustre honneur de te demander comment les c'était. Les bonnes questions. Voilà, les bonnes questions. Alors, j'ai juste appris hors antenne qu'il ne faut pas dire ID Software, il faut dire ID Software. Il faut dire ID Software, apparemment. C'est complètement donc, on a tous dit ID Software pendant des années. Je m'excuse à l'avance auprès des développeurs de ID Software pour toutes les fois où je vais écorcher le nom de leur studio. Donc, voilà, c'est le nouveau jeu de ID Software. Donc, John Carmack, tout le monde connaît. C'est un jeu qui est annoncé depuis super longtemps, Rage. Il s'est
s'est notamment signalé parce qu'il était super beau à l'époque. C'est un peu l'ambassadeur du nouveau moteur qui s'appelle... C'est même complètement l'ambassadeur, l'ambassadeur du moteur ID. TED 5, c'est ça ? Tech 5. Je suis consommé des mots anglais. Voilà, bref, toujours est-il que tu l'as vu en version jouable sur Xbox 360, donc c'est une information qui a son importance, on va voir pourquoi. Et est-ce que tu pourrais juste nous resituer un petit peu le propos de cette nouvelle licence, tout simplement ? Alors, le propos de Rage, disons que quand un FPS qui vient de chez id Software, c'est toujours un événement, parce que bon, voilà, Doom et Quake, c'est pas n'importe quoi. Mais Rage, c'est pas seulement FPS, c'est-à-dire, c'est pas... id Software, habituellement, c'est plus du « prends un flingue, bute tout le monde et va jusqu'à la fin ». Et là, tu as quand même, disons, une profondeur supplémentaire qui rapprocherait plus le jeu presque d'un... j'ai pas envie de dire un jeu de rôle, mais disons que tu as quand même... On voit pas mal de scènes de dialogue, on voit des déplacements en véhicule, on voit des villes. T'as une partie sociale, t'as des boutiques, tu peux fabriquer des objets, bon, t'as toute la partie aussi automobile, vu qu'il y a un petit côté buggy, surarmé, machin. Donc ouais, c'est un FPS++, disons. Et ça se structure comment ? C'est-à-dire que tu passes ton temps en ville à chercher des missions, ou c'est vraiment juste des prétextes pour lier un peu les scènes d'action ? La structure du jeu, pour l'instant, nous a pas été hyper présentée, parce qu'en fait, sur notre version jouable, nous, on avait une liste de missions qu'on pouvait essayer, qui avait donc un début et une fin assez abrupte. Et généralement, avec un gros monstre qui arrivait, et juste au moment où il arrivait, tu pouvais plus jouer. Et la structure elle-même du jeu, on la connaît pas exactement, mais on sait qu'il y a des hubs sociaux, donc des villes. On a pu voir une partie du jeu qui se passe à la toute fin du jeu, donc je vais éviter de spoiler, mais c'était pour nous présenter une seconde ville, parce qu'on en avait déjà vu une, et donc là, on en a vu une nouvelle. Donc apparemment, il y aura quand même, disons, une vraie progression sociale dans le jeu. Maintenant, la structure intégrale du jeu, on l'a pas encore vue en action, quoi. Et au niveau du gameplay, ça s'apparente toujours à du FPS méga bourrin, méga dynamique. Je dirais pas méga bourrin, mais c'est du FPS tout ce qu'il y a de plus efficace. En fait, la présentation de Rage, elle m'a inquiété jusqu'à ce que je le prenne en main. D'accord. Disons qu'une fois que tu le prends en main, tu vois que c'est un jeu id Software. Bon, c'est des mecs qui savent faire des FPS, hein, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. aussi raffiné, chacun. le feeling des armes est excellent. Tu mets un coup de shotgun dans la tête d'un mutant, le mutant il réagit comme tu voudrais qu'il réagisse. Donc ouais, le gameplay est très agréable et très fun. Maintenant, il y a d'autres points sur lesquels on n'est pas spécialement enthousiaste. On va revenir dessus, je suis retiens ton enthousiasme pour parler des choses négatives, mais en fait, on voit un univers assez original. Est-ce que les armes aussi sont super originales ou c'est juste du shotgun et du... Je dirais pas que l'univers est super original. En tout cas, il a l'air assez chiadé, quoi, malgré tout. Il est indéniablement chiadé. Il y a un très gros travail artistique. Hein. Le jeu a vraiment un style à soi. Maintenant, il souffre de deux trucs. Il souffre de la sortie de Borderlands et de Fallout 3. Ouais. C'est-à-dire le post-apocalyptique style western, c'est plus aussi original que ça pouvait l'être à l'époque de l'annonce du jeu. D'ailleurs, l'un des concepteurs du jeu nous a dit quand on a rejoint Bethesda et qu'on leur a présenté notre jeu, on leur a fait « Ah ouais, voilà un truc qui ressemble un peu à ce que vous venez de sortir », tu vois. Ça reste un univers qui est plus original que le « Ouais, on est attaqué par les aliens et on va les tuer ». Mais c'est plus aussi original que ça pouvait l'être à une époque. Et donc ma question sur les armes, parce que t'as fait les armes, nous, celles qu'on a vues, c'était du très classique. Hein. Ouais. C'est shotgun, mitraillette, autre mitraillette, pistolet et lance-roquette. Maintenant, t'as quand même tout un système d'objets que tu peux utiliser, qui eux sont plus originaux. C'est tu peux fabriquer par exemple une petite araignée qui va se tomber par terre avec une petite tourelle pour distraire les ennemis, ou faire carrément une vraie tourelle, ou fabriquer une espèce de boomerang que tu peux balancer pour trancher la tête des mecs. Donc t'as quand même quelques trucs originaux, mais au niveau des armes, nous ce qu'on a vu c'était assez classique. Mais dans le fond du jeu, concrètement, il y a quelque chose qui le distingue, on va dire, d'autres FPS avant lui, où il a un truc vraiment particulier au-delà du côté social et jeu de rôle. Je pense que tout le côté course. Ouais. De bagnole, déjà, je pense que c'est un truc... Ah, c'est des courses. T'as pu essayer, toi, pas les voitures, justement ? Il y a des courses, oui, j'ai essayé tout ce qu'il y avait à essayer, quasiment, à part le multi. Mmh. Donc, il y a des vraies courses. Donc, je vais pas dire que ça rappelle Mario Kart, parce que sinon, je vais me faire bâcher. Mais disons que dans le concept, c'est un peu ça. Si tu veux, t'as des circuits, t'as des bonus à rattraper. Faut que tu flingues les mecs devant, que t'actives ton bouclier au bon moment pour pas te manger un missile dans le fion. Enfin, c'est... t'as des vraies courses. Et t'auras aussi des scènes d'action en bagnole qui seront pas des courses.
Nous, en l'occurrence, on a pu participer donc à une course. Et ça choque pas de voir des courses de bagnoles au milieu de fusillades et de... Je vois pas pourquoi ça choquerait. C'est le style Mad Max et tout ça. Ça se marie à l'univers. En plus, c'est pas nouveau de voir des véhicules dans les FPS. Je veux dire, ça fait des milliards d'années qu'on en a dans les Halo. C'est Mario Kart qui me choque, en fait, surtout. Quoi. C'est des courses automobiles, quoi. Il y a juste le côté je ramasse des bonus en chemin. Non, moi, ça m'a pas. Enfin, c'est pas ça qui m'a choqué, non, pas particulièrement. Donc, qu'est-ce qui t'a choqué, Choca? Ouvre ton cœur. Il y a deux grosses choses qui m'ont choqué. On va d'abord rappeler que c'est une version Xbox 360. Non, on va d'ailleurs d'abord rappeler que la présentation commençait par une présentation donc, du multijoueur. Ouais. Donc, on est arrivé dans une salle où sur l'écran géant, il y avait marqué en énorme Rage Online. Donc là, tu vois, t'arrives dans la salle, il est marqué Rage Online, tu te dis, oh putain, ils ont dû faire un truc de ouf. Donc le mode multi de Rage, t'as un coop à deux et un mode de jeu où tu joues en bagnole à 6. Voilà. Ah d'accord. Donc c'est super, t'as pas de deathmatch, pas de capture de flag, en fait t'as pas de compétitif à pied. Donc de la part des créateurs de Doom et Quake, c'est pas mal. Ouais. Alors sachant qu'on leur a demandé pourquoi, ils nous ont dit, faire un multi bien, c'est vachement compliqué, on voulait pas faire un truc qui fasse gimmick. Donc pour pas faire de gimmick, ils ont fait un jeu de micro-machine à 6 là. C'est vachement pas gimmick. Et sinon, l'autre truc qui était assez choquant pendant cette présentation, c'était le moteur. Alors le moteur Lead Tech 5, c'est censé être le jeu vitrine. Et donc comme tu l'as dit et répété, on nous l'a présenté sur Xbox 360. Alors je vais pas dire que c'était moche, parce que les décors sont hyper détaillés, t'as un nombre d'éléments absolument hallucinant dans les décors, c'est vraiment super impressionnant. Maintenant les textures étaient hyper floues. L'interaction avec les décors était nulle, c'est-à-dire tu tires dans une chaise, la chaise elle est en béton armé et bouge pas. Il y avait le fameux syndrome Mass Effect, sauf encore pire dans Mass Effect, c'est-à-dire tu te retournes, les textures mettaient 3 secondes à s'afficher. La fameuse promesse du 60 FPS, au bout de 5 minutes de jeu, il y avait 5 mutants à l'écran, ça ramait. Donc voilà, c'est une version preview, le jeu sort pas tout de suite, mais... Pour être juste très très clair, par rapport aux images, qu'on est en train de montrer au lecteur. Ah non, c'est un autre monde. Hein. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de montrer. Je sais pas si c'est la version PC, parce que pendant toute la présentation, ils ont pas arrêté de nous répéter « Ouais, la version PC est plus belle ». Dans ce cas-là, montrez-la, les mecs, parce que votre version Xbox, elle nous inquiète plus qu'autre chose, quoi. Le problème, c'est ça doit être les mégatextures, en fait, pour la Xbox. Tout le système de, enfin les mégatextures, on sait déjà. Je pense que le manque d'interaction vient directement de là. Mais là, pour le coup, sur Xbox, ça faisait pas plaisir aux yeux, quoi. Maintenant, le jeu, comme je te disais, le gameplay, tu sens que les mecs, ils maîtrisent, quoi. C'est propre, c'est efficace. Il y avait notamment le niveau Mutant Bash TV, qui est donc une espèce de Running Man, tu sais, un jeu télévisé où tu dois buter des mutants pour l'audimat. Et c'est très rigolo, hein. C'est vraiment très fun à jouer. Maintenant, disons que les autres promesses du jeu paraissent un peu... Donc c'est plus côté... On se méfie, c'est quoi. Plus la version PC qui garde les espoirs. Je vais pas te dire que je garde espoir pour la version PC, on me l'a pas montré, donc... C'est la seule qui reste peut-être encore d'être belle, quoi. Moi, tu me montres rien, je vais pas... disons que je vais pas m'amuser à faire des plans sur la comète. Bon, écoute, merci Choca, on va passer sur un autre jeu maintenant, un autre jeu Bethesda. Ah, c'est ton jeu favori, ça, Skyrim. Je maîtrise sur le bout des doigts, voilà, donc c'est la série Elder Scrolls. Je crois que j'ai encore joué hier. Là, je vais vous en parler, c'est juste après la vidéo. The Elder Scrolls prédisait leur retour. Leur défaite n'était que temporaire. Jusqu'au jour où Oblivion ouvrirait ses portes. Où les fils de Skyrim verseraient leur sang. Mais personne ne voulait y croire. Ni même en leur existence. Et quand l'aube la révéla enfin, la vérité jaillit dans les flammes. Il y en a un qu'ils redoutent. Dans leur langue, son nom est Dovahkiin, fils de dragon.
Alors, on accueille Poichiche, on ne sait pas trop pourquoi. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Et donc, je vais vous parler de Skyrim. En donc, ma compagnie, puisque je suis aussi l'expert avec toi. Expert de Skyrim, série. Oui, c'est clair. Exactement, voilà. Je suis équipé de Poichiche, consultant section PC. Qui ne sait toujours pas ce qu'il fait là. Poichiche, il parlait de la mine du Rex Chef tout à l'heure, mais ouais, donc on va te poser des questions sur. Enfin, je vais surtout poser des questions sur Skyrim. Donc, qui est le nouvel épisode de Elder Scrolls? On connaît tous Morrowind, Oblivion, ces univers fantastiques. Et les autres, c'est quoi? Et les autres, c'est Fall et un truc en deux mots, mais j'ai oublié, tu me l'as dit il y a deux secondes, j'ai oublié. C'est ridicule. Bref, Skyrim, donc le cinquième épisode de Elder Scrolls, que tu as vu, tu n'y as pas joué par contre. Non. Est-ce que tu peux un peu nous présenter cet épisode? Alors, présenter un peu cet épisode, alors c'est de l'aveu même des développeurs. Le truc qu'on leur a le plus demandé dans les précédents épisodes, c'était des dragons. Et là, ils se sont dit, bah, pour cet épisode, on va voir des dragons. Donc là, en gros, le truc, c'est y a le retour des dragons dans le monde d'Elder Scrolls. Et du coup, notre héros, il aura un lien... Oh, tu m'as vendu le jeu. Attends, des dragons, mec. Non, mais des dragons dans un jeu de rôle PC, génial, quoi. Enfin, PC console. Attends, de la part d'un mec qui connaît pas Daggerfall, voilà. Bien sûr que enfin, bref, et donc, tout l'intérêt, enfin, la trame du jeu tournera autour du fait que notre personnage a un lien avec la race des dragons. Alors, on nous a quand même gardé quelques mystères là-dessus, on sait pas trop un peu comment tout ça va se passer, mais on sait par exemple que lorsqu'on tuera un dragon, on pourra absorber son âme. Ça fait très Highlander, mais on ne sait pas encore trop à quoi ça va servir. Et on sait aussi qu'on va pouvoir apprendre le langage des dragons pour développer des nouveaux pouvoirs qui seront donc en plus de ce qu'on a habituellement dans les Elder Scrolls, donc les classiques coups d'épée ou de masse dans la tronche, les sorts, les arcs, tout ça. Donc en plus, il y aura la capacité donc des cris qui te permettra donc de parler en langage de dragon et d'avoir des effets différents selon les cris que tu as ramassés. Tu peux même crier sur ton arme, ce qui nous a beaucoup fait rigoler, pour lui mettre des effets spéciaux. Et donc, ouais, tu peux apprendre plein de cris différents, un cri qui ralentit le temps, ce genre de choses, un cri qui repousse les ennemis. Donc, ça rajoute encore une couche en plus sur le système de combat du jeu qui reste... T'en parles plus à Cador, mais on les a vus. Tu les as vus, dragons ou J'ai vu un dragon, figure-toi. Est-ce que c'est clair? C'est la question. Les dragons sont assez classe. Alors en fait, on a suivi c'était un des développeurs qui jouait. On a suivi le héros. Bon, évidemment, on pourra créer son héros soi-même. Là, en l'occurrence, c'était un Nord, donc les espèces de Vikings de l'univers d'Elder Scrolls, qui se baladait dans une montagne. Donc, il grimpait la montagne pour aller dans un temple. Au passage, on a pu voir le système météorologique dynamique avec la neige qui tombe en temps réel, les rochers qui se recouvrent de neige, tout ça. Et donc, on arrivait face à un vieux temple abandonné sur lequel était perché un dragon. Et donc, le dragon... le dragon était plutôt bien animé, c'est-à-dire il se contentait pas de se poser en face de toi et de cracher du feu. C'était vraiment, il descendait, il faisait des piquets, il te faisait tomber par terre, il remontait. Et donc, en l'occurrence, on s'est sauvé comme des grosses lopettes. Pour explorer le temple dans lequel on allait découvrir un pouvoir justement de cri, donc des dragons, qui permettrait à la sortie du temple, de retuer le même dragon qui nous a attaqué au début. Donc on a vu pas mal de phases de jeu, autant en extérieur qu'en intérieur. On a vu aussi une petite balade en ville, vu que pour rentrer dans le temple, il fallait mettre la main sur une espèce de griffe de dragon en or qui avait été volée à un marchand. Donc en gros, on allait voir le marchand qui nous indique où est-ce qu'était où se trouvaient les voleurs, pardon. Donc on a aussi pu regarder le développeur jouer à l'infiltration à l'intérieur de la grotte alors qu'il descendait les ennemis avec l'arc et la flèche. Apparemment, le système de tir à l'arc est très puissant dans le jeu. On nous a promis qu'il était vraiment possible de faire des dégâts assez ravageurs avec, pour éviter le syndrome qu'on avait un peu dans les précédents Elder Scrolls, où tu balançais des flèches et après tu te retrouvais au corps à corps avec un mec qui avait une hache, alors que tu avais toujours ton arc, ce qui n'est pas toujours idéal. Sinon, un truc intéressant aussi, c'est la gestion en fait de ton armement. C'est-à-dire, tu t'équipes en sélectionnant ce que tu mets dans ta main gauche et dans ta main droite. Alors, ça paraît con comme ça. Mais en fait, ça te permet donc de faire épée bouclier, masse bouclier, épée bâton, sachant que les bâtons magiques peuvent lancer des projectiles, ou épée et sortilège. Et du coup, le truc intéressant, c'est que tu peux même faire sortilège et sortilège, et après, tu combines deux sortilèges en même temps et tu balances un plus gros sortilège. Donc, ça, c'est plutôt cool.
Et au niveau des combats, il y avait des points particuliers à noter ça reste le système de combat classique à la première personne. Donc maintenant, ils ont revu leur système d'animation. Ça a l'air nettement mieux. Enfin, il y avait toujours un syndrome un peu, surtout dans Oblivion, où tu avais l'impression que les animations des ennemis étaient un peu hachées quand tu te battais contre eux. Là, ça a l'air beaucoup plus fluide. C'est toujours aussi violent. T'as vraiment une interaction poussée du fait de la gestion indépendante des deux mains. Donc ça reste assez dynamique à ce niveau-là. On a vu quand il s'est fait attaquer par quelques bandits avant d'arriver dans la montagne, coup de bouclier dans la gueule, des coups d'épée, tout ça, c'est plutôt classe. C'est bien sanglant aussi, donc ouais, ça marche plutôt bien. On a vu aussi qu'il y avait un côté stratégique dans les combats les plus avancés, notamment dans le temple à la fin, tu avais une espèce de prêtre mort-vivant qui avait invoqué un espèce d'élémentaire de glace, et il fallait éviter l'élémentaire et passer derrière le bouclier magique du prêtre pour lui mettre dans la gueule. Parce que d'ailleurs, le développeur n'a pas réussi à faire, il s'est fait buter comme une merde. Donc ouais, le système de combat a l'air plutôt sympa, les combats contre les dragons notamment ont l'air vraiment impressionnants. Ça a l'air vraiment pas mal du tout au niveau du système. Alors autant Rage, on a parlé de ses graphismes en disant que c'était peut-être pas aussi fou que ce qu'on aurait pu avoir. Celui-ci, il est plutôt joli ou pas ? Ça va pas révolutionner graphiquement l'univers et le monde et la galaxie, mais ça avait l'air plutôt joli, surtout que c'était montré sur un écran géant et qu'évidemment il est beaucoup plus difficile d'être impressionnant. C'était quelle version alors ? C'était une version console aussi, mais là les textures étaient ils pas floues. Ils n'apprennent pas ces gens. Et là du coup, c'était beaucoup plus beau que Rage par exemple. En même temps, ça n'a un peu rien à voir quoi. Autant d'un point de vue. Au niveau du rendu, c'était. Non, le rendu était très convenable, honnêtement. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. En plus, j'aime beaucoup le style du jeu, ça fait très. Ça fait moins Disneyland qu'Oblivion, disons. Ça fait plus dark. Ça me rappelle un peu la franchise Conan, personnellement. Ça fait vraiment. Le mot favori des cinéastes américains, ça fait vraiment gritty. Non, mais c'est. J'ai beaucoup aimé le style du jeu, c'est très sympa. L'univers a l'air assez gigantesque en plus. On nous a également promis qu'il y aurait tout un système de gestion des différentes puissances politiques dans le coin. Les lois seront pas les mêmes partout. Quand t'assassines un mec, si tu butes tous les témoins, personne n'est au courant. Donc il faut que tu cours après les témoins, sachant qu'il y a un message qui te dit « Vous avez exécuté le dernier témoin, félicitations !» C'est très simple. Donc voilà, non, j'ai trouvé ça plutôt prometteur. Ouais, ça a l'air plutôt sympa. Maintenant, il y a encore beaucoup de trucs à voir. Faut voir tout ce que l'interaction avec les dragons va apporter, puisque comme je l'ai dit, on peut absorber l'âme des dragons quand on les tue. Le seul dragon que t'as vu, tu t'es barré. Enfin, le développeur s'est barré. Non, mais il l'a tué après. Après, avec le cri. Comme souvent les développeurs dans les présentations, il faut le dire. Il faut le dire. À nos lecteurs, les développeurs trichent. Même en trichant, il s'est fait buter par le prêtre. Donc il devait vraiment être mauvais. À la fin, on a vu donc le grand cliffhanger de la présentation, c'était le dragon qui disparaissait en flammes et qui était absorbé par notre viking qui se mettait à hurler et tout. Donc c'est vraiment Highlander quoi. Ouais, non, ça faisait très Highlander, j'ai trouvé ça plutôt pas mal et j'ai hâte de voir en fait à quoi ça sert. Parce que bon, c'est classe, mais pour l'instant on sait pas trop c'est quoi le but. Et ça sort quand tout ça ? C'est pareil, ça sort cette année. Cette année. C'est le line-up. Ça sort le 11-11-11. Ah oui, c'est vrai, la fameuse date qu'ils se sont battus pour la réserver. Si jamais ils le retardent d'un jour, ils sont pas dans la merde. Ouais, c'est sûr, ce sera beaucoup moins classe. Ça sort à la fin de l'année. Mais par contre, là, t'es plutôt enthousiaste, quoi, pour le coup. Non, je suis plus. Surtout que moi, j'avais pas vraiment super accroché à Oblivion. J'avoue que celui-là me séduit beaucoup plus. Donc, je suis plutôt enthousiaste. Un commentaire poché sur. Non, ça. Tu veux toujours pas nous dire ce que t'as fait à tes cheveux ? Je te rends la parole. Non, écoute, on va terminer avec Poichiche parce que là, il s'emmerde quand même grave. C'est la minute du rédac chef et c'est juste après le jingle. Alors, Poichiche, on va commencer comme d'habitude. Que se passe-t-il sur gamecult.com en ce moment ? Écoute, beaucoup de choses pour une fois. J'ai même fait une liste. Déjà, je voulais commencer par le changement d'hébergeur dont je parlais dans l'émission précédente, qui est effectif également pour les trailers, enfin pour toutes les vidéos du site, enfin toutes les nouvelles vidéos du site. On va les transférer. L'historique, on va le transférer doucement, mais pour l'instant, c'est que les nouvelles vidéos. Donc, comme d'habitude, visiblement, il y a du mieux pour la plupart la quasi-totalité des gens. Dites-nous dans les commentaires si vous trouvez que ça s'améliore. A priori, oui.
Voilà. Nous, si ça s'améliore pas, on effacera vos messages discrètement. Très discrètement. Non, il y en a. Il y en a. Il y en a un qui se plaint que c'est plus lent, mais il est au Japon. Donc ça, peut-être qu'éventuellement. Oui, écoutez, j'habite dans un sous-marin. Je comprends pas. C'est peut-être la raison. Sinon, cette semaine, on a déjà beaucoup parlé dans cette émission, mais il y aura toutes les. Tous les fabuleux articles que tu vas écrire sur les Bethesda Days. Ils vont pas tous être formidables. On n'avait pas le droit de parler avant aujourd'hui, enfin, donc lundi 16h, donc c'est pour ça qu'on n'avait pas fait de news programme, parce qu'on n'avait pas le droit d'en parler tout simplement. Ce qui est un peu idiot, mais bon, c'est pas grave. Au moins, c'est respecté. Donc, il y aura Rage, Skyrim, on a déjà parlé, Brink, Prey 2 et Hunted. Regardez le meilleur pour la fin. donc ça devrait arriver si ce n'est déjà fait mercredi, jour de diffusion de l'émission, ça devrait pas tarder à arriver sur le site. Il y a aussi une preview de The Witcher 2 qui arrive, donc tu seras ravi d'écrire, j'imagine, après tous ces zooms. Ravi de relire, ravi d'y jouer. Et enfin, pour terminer, juste avant de passer aux questions, on avait déjà rencontré Pompétude, les fameux commentateurs de StarCraft 2 il y a quelques mois. Qui nous avait mis une roost. Là, il y a la vengeance qui a été jouée, qui a été commentée également. Qui vous aura mis une roost, à vous. Je ne spoilerai pas le résultat. Mais enfin, c'est disponible sur leur channel YouTube. Et on va peut-être aussi également faire un post sur le blog, par exemple, pour que nos fidèles lecteurs retrouvent facilement les vidéos. C'est toujours rigolo à voir. Voilà, voilà. Alors, on va enchaîner avec les questions. Nous avons donc Nirgul qui nous demande « Serait-il envisageable de voir cette émission diffusée sur une chaîne TV via une collaboration ?» Voilà, Yukishiro, tu as via le droit une de... collaboration. Via une collaboration. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai absolument aucune idée, mais je sais qu'on est sur une télé. Donc... Alors, je vais quand même le rappeler, hein, parce que c'était après, pas... Oui, enfin, c'est ce que ma belle-sœur m'a dit quand elle m'a vu dans le journal. Mais... Oui, non, on est à la télé, hein, déjà. C'est vrai que c'est pas forcément super évident. On communique pas non plus très agressivement là-dessus, hein, puisqu'on estime que ceux qui regardent sur GameCult... Soyons agressifs, je vais t'agresser. Quand on est dans le métro, on tabasse des grands-mères, on leur dit on est à la télé. On est à la télé. Donc voilà, on va le rappeler quand même. Jusqu'à la fin de la saison, GameCult est diffusé sur KZTV, donc est une chaîne payante qui est disponible chez plusieurs opérateurs, notamment Free. Donc renseignez-vous auprès de vos opérateurs pour savoir comment avoir cette chaîne. Ça, je le dis bien, ça. Donc voilà, on est diffusé, il me semble, le mercredi, le samedi et d'autres jours. Il faut que je relise le contrat. Qui finissent en i. Voilà, tous les jours qui finissent en i, c'est pratique. Donc à part le dimanche, on est peinard. Mais en tout cas, toujours est-il que voilà, on est diffusé sur cette chaîne-là. Est-ce qu'on a l'ambition de faire des collaborations avec d'autres chaînes pour diffuser ailleurs? Je pense que vous voulez juste dire, est-ce que vous avez collaboré avec une chaîne pour. Ouais, enfin voilà. Déjà, là, je répondais à la question. Après, pour l'instant, c'est collaborer fictif. Chez GameCult. Ouais, non, on collabore pas trop. Mais voilà, donc. Papa, mais on aime beaucoup les TV. On va quand même la rappeler. Donc voilà, on est très content d'être à la télévision, on est très très fiers également. Et donc jusqu'à la fin de la saison, en tout cas, on est diffusé donc, chaque semaine sur KZTV. On enchaîne avec Marie qui nous demande la fameuse question, sera-t-il possible d'ajouter l'avis de plusieurs rédacteurs dans les tests? Et écoute, Marie, comment te dire? Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Non, mais précisons que c'est quand même des anciennes questions, puisqu'on n'a pas pu faire de news de programme depuis 2 semaines. Donc j'ai fait les fonds de tiroir. Celle-là, c'est quand même une question qu'on voit très très souvent. C'est pour ça que je dis ça, c'est que c'est une question auquel on a déjà répondu plusieurs fois, surtout dans le forum suggestion, mais ça va être l'occasion de répondre également dans l'émission. C'est vrai que pour bien tester un jeu, faire bien tester un jeu par deux personnes différentes, c'est compliqué, ça te prend déjà beaucoup de temps de le faire tester par une personne. Donc faire deux avis vraiment, vraiment pertinents, c'est pas pour tout de suite. Après, on réfléchit toujours à une façon de faire évoluer la forme. On aura 2000 pigistes peut-être. On sera riche et célèbre peut-être, mais pour l'instant c'est pas prévu, donc j'avais déjà répondu non à cette suggestion. C'est l'occasion de le redire, mais bon, on réfléchit quand même. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette fois. Alors, une fois n'est pas coutume, Yukishiro a trouvé des trucs à offrir aux lecteurs. Il a fait les fonds de tiroir, il a trouvé les meilleurs jeux de l'année. Bah, Crazy 2 est un bon jeu. Oui, c'est vrai. Je sais pas, j'y ai pas joué. Et donc, on a un exemplaire à gagner sur chaque plateforme concernée, c'est-à-dire PC, PS3 et Xbox 360. C'est tout pour cette fois. Ciao à tous.
Si vous avez bien suivi l'émission du jour, répondez à la question suivante et tentez de gagner 3 exemplaires de Crysis 2 sur PC, Xbox 360 et PlayStation 3. Quel est le nom du développeur américain de Rage, id Software, Ankama, Epic Games? Vous avez la réponse, rendez-vous sur la page suivante pour tenter de gagner votre jeu. Bonne chance à tous.